Et salut les bananes, c'est Stevix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que vous attendez tous. Je parle évidemment du Banana Pack V2. Oui, vous me l'avez demandé à peu près 400 000 fois 1 dans chaque vidéo. Donc voilà, maintenant vous l'avez. Et je fais pas spécialement cette vidéo parce qu'on a atteint les 15 000 abonnés il y a quelques jours. Mais plutôt parce que je l'ai fini. Et de toute façon, j'ai pas besoin de vous remercier d'avoir atteint un cap en soi. Mais plutôt d'être là à chaque vidéo. Vous voyez la différence? Voilà, bref. Du coup, on va commencer tout de suite par la petite présentation du pack. On va tout de suite aller sur la map que j'ai fait à l'occasion. On peut découvrir le magnifique ciel, ça n'a pas changé. Avec le petit arc-en-ciel, toujours beau. On va mettre la nuit. Qui est comme ça, voilà, en UHC c'est toujours sympa. Comment je remets le jour là, voilà. Nouvelle police d'écriture, c'est Daiko qui me l'a passé. Franchement je trouve qu'elle est jolie, surtout pour les nombres en fait. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Voilà, bref. L'interface, c'est toujours les petits cœurs flat avec la nourriture qui est des bananes. La petite barre d'XP est jaune, bon, j'aime bien. Et puis sinon c'est tout. L'armure j'ai changé, j'ai remis par défaut les trucs d'armure de Minecraft. Du coup sinon je pense que c'est tout. On va entamer les blocs. Hop, on va commencer par la table d'enchantement. La table d'enchantement, il y a une petite banane que je trouve ça sympa, tu vois. Elle est aussi présente là. Le sable que j'ai changé aussi. Hop, on va vider son inventaire. Le sable que j'ai changé, et je trouve ça assez beau. Là, on peut trouver que c'est moche, mais en fait, quand il y a beaucoup de sable, si vous voulez, ça donne vraiment bien. L'eau qui est plus jolie, plus transparente. Franchement, elle était moche sur mon ancien pack, donc voilà. Là, je trouve qu'elle est vraiment topissime. La petite banane sur la TNT, le bloc de slime jaune, la table craft qui est plus jaune qu'avant, je trouve que c'est mieux. Comme ça, voilà, c'est plus banana. Le brewing stone, je suis assez content. J'ai essayé de représenter le bâton de blaze au centre en fait. Et franchement ça rend pas mal, ça rend pas mal. Le lit maintenant c'est plus de la laine comme ça, c'est plus esthétique. L'enclume, vu que le minerai de fer est plus lent, bah j'ai mis l'enclume blanche. Bon, ça c'est pas trop mon idée mais c'est quand même présent sur pas mal de packs. Pour les minerais, ils ont tous un contour de leur couleur, voilà. Présent aussi dans pas mal de packs et franchement je trouve ça pas mal sympa. Pour le nether, le magnifique portail jaune comme d'habitude. Et ici toujours la netherwart que j'ai pas changé et le bocal de quartz bien entendu, la glowstone et le bloc de lave que vous aimez assez. Du coup pour les blocs c'est tout, on va aller tout de suite vers les armures. Les armures que j'ai aussi changé. Je les ai mis beaucoup plus flat. Alors là c'est l'armure en or, en diamant, en fer et en cuir. Pour le chainmail j'ai pas changé. Du coup là franchement c'est beaucoup plus beau comme ça. Et ça rend pas mal. Hop. Alors maintenant on va passer aux items. Alors la grande nouveauté sûrement pourquoi vous avez téléchargé le pack, c'est pour les épées. Alors les épées en fait c'est Matox qui les a faites. Il l'a jamais mis dans un de ses packs mais en fait un jour il l'a fait ça et puis franchement j'ai kiffé et je l'ai mis dans mon pack. Et vous kiffez aussi donc voilà. Mais bon c'est pas moi qui les ai créés, c'est Matox donc le mérite revient à lui. Du coup vous avez pu voir dans pas mal de mes vidéos plusieurs changements des épées. J'essaie de trouver un truc qui me convient. Et finalement j'ai enlevé la poigne parce que je trouvais rien qui m'allait. Du coup voilà ils sont sympas je trouve, hop. Sont fines et le petit rappel du minerai sur le côté gauche, voilà c'est sympa. Hop, et merci à xdix underscore qui m'a mis tous les items comme ça dans un même motif que les épées si vous voulez. Alors il a changé la poigne et tout et puis le petit rappel de la banane, c'est vraiment sympa. Pour l'arc ça n'a pas changé,
hop, le petit rappel de la couleur. Pour voir quand c'est chargé, c'est sympa. Et quand on tire, ça fait des bananes. Yeah. La canne épaisse, ça j'ai changé par rapport à la V1. Maintenant le petit côté est jaune, voilà. Bon. Rien de bien extraordinaire, voilà. Les sauts, une petite animation. Le poulet, ça a changé. Voilà, bon. Ça fait un peu plus poulet. C'était présent dans le banana pack, la toute première version. Et en fait, j'avais enlevé, puis je l'ai remis parce que je trouvais ça sympa. La boussole qui a une petite tige jaune. L'underpearl qui est jaune. Et l'under eye aussi. Les potions aussi, vous avez pas mal kiffé. Alors, ça vient pas de ma propre création. Par contre, j'ai peur de dire des conneries. Je pense que ça vient de UAUI, le youtubeur Minecraft UHC anglais le plus fort du monde apparemment. Et franchement, je pense que ça vient de lui, je suis pas sûr. Mais j'adore tellement ces potions, c'est flat, c'est waouh. Waouh. La boule de slime, vu que les slimes sont jaunes, bah c'est en jaune. Et la petite bouteille d'expérience qui est jetable, voilà. On va maintenant passer aux particules. On va mettre la potion d'invisibilité pour bien que vous voyez. Bon déjà, moi je me suis bien invisible mais c'est pas grave. Déjà vous pouvez voir les effets de potions qui ressemblent à des potions en fait. Je sais pas si vous pouvez bien le voir mais bon. Ça c'était déjà présent dans la V1 et vous avez pas mal kiffé aussi. Du coup on va montrer les particules de critique. Voilà, c'est des bananes comme quand on tire une flèche. Et sharpness, c'est des épées en diamant. C'est sympa je trouve, voilà. Wally Walou, on va passer au mob, le zombie. Hop. Voilà, qui a un petit t-shirt jaune, incroyable. Le slime, voilà, un peu jaune, tout ça, c'est sympa. Le ghast, qui lui va peut-être prendre des dégâts, mais bon, bah les couilles. Voilà, il va pas kiffer. Bon voilà. Vous avez pu voir sa tête est assez rigolote. Et puis l'Enderman qui a des yeux jaunes. Voilà. Il y a pas, sinon il va partir. Et l'Endor Dragon a aussi les yeux jaunes. Wally Walou. Et voilà les bananes, la présentation du pack est finie. J'espère qu'il vous plaira. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. De toute façon, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. MDR, Soprano, toi-même tu sais. Donc voilà, je vous mets le lien de téléchargement dans la description et dans les futures descriptions de mes futures vidéos. J'espère que vous le partagerez à un maximum de personnes. Et encore merci à tous d'être là à chaque vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.